Salut à tous, c'est Total Foot. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est le début de la rentrée sur la chaîne YouTube Total Foot. Car en effet, je vous propose aujourd'hui une nouvelle sélection de débriefs qui se profilera tout au long de l'année 2019-2020. Et on commence avec le 8e de finale de Coupe d'Afrique des Nations 2019 entre le Mali et la Côte d'Ivoire, remporté par les éléphants il y a à peu près 10 minutes, victoire 1-0 dans le dernier quart d'heure. Un but de Wilfried Zaha, le joueur de Crystal Palace, qui est notamment convoité par Arsenal. Les demi-temps du match étaient partagés. En première mi-temps, c'était le Mali qui se procurait beaucoup plus d'occasions et occupait le poste de dominateur du match. Mais en deuxième période, c'est la Côte d'Ivoire qui en a profité. Le Mali, lui, n'en a pas profité de sa domination. Et c'est la Côte d'Ivoire qui a finalement remporté le match. On n'a pas vu beaucoup d'agressivité dans le match, ce qui était plutôt cool. De ne pas voir les joueurs s'entre-déchirer, à part une blessure sur Sivir, un joueur ivoirien qui a finalement pu revenir sur la pelouse. Donc victoire 1-0 de la Côte d'Ivoire qui rencontrera l'Algérie en quart de finale. La Tunisie affrontera ce soir le Ghana. Et du côté des autres rencontres, Madagascar recevra justement la Tunisie ou le Ghana en quart de finale à partir de mercredi prochain. Voilà, c'était Total Foot. Si vous avez aimé le débrief, n'hésitez pas à lâcher un like, à la commenter, à vous abonner en activant aussi la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et à la partager avec vos amis qui n'ont pas vu Mali Côte d'Ivoire. Voilà, c'était Total Foot, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je vous retrouve bientôt pour un nouveau débrief ou de nouvelles infos sur le mercato.